écran tactile. Studio Mac. Ça ne rame même pas. Ouais, mon poteau. Eh, mais c'est propre de ouf, ça rame pas. Salut. Aujourd'hui, on va essayer d'installer Tuner Studio. Mais si tu veux installer Tuner Studio sur Windows, il n'y a rien de plus facile. C'est un logiciel comme un autre. Tu tapes Tuner Studio dans l'internet, tu télécharges le fichier, le logiciel, et tu l'installes. Je ne vais pas faire une vidéo pour ça, il n'y a rien de plus simple. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de l'installer sur un Raspberry. Parce qu'un Raspberry, ça vaut 30 balles, et qu'un écran, ça coûte 20 balles, et que si tu peux mettre ça, donc pour 50 balles, te faire un ordinateur Tuner Studio que tu peux emmener dans la voiture, et qui est tout petit, ça peut être le feu. Donc, on va essayer. Je garantis rien, mais on va essayer. Voici le Raspberry Pi. C'est le truc qui est en dessous, là. Tu vois, ça, c'est le modèle 4B, je crois bien, en 4 Go de RAM. Donc, il faut que tu achètes ça. Après, il faut que tu achètes une petite carte SD. Tu dois avoir une alimentation. Et moi, j'ai acheté l'écran qu'il y a dessus qui est tactile. Tu vois, là. J'ai acheté ça 18 euros, je crois, l'écran. C'est un écran en HDMI. Tu vois, là, tu as le truc ici. C'est le feu. Donc, ça se branche avec un USB C. Par contre, un truc avec les Raspberry, surtout en plus là qu'il y a un écran dessus, il faut une bonne alim. Il n'y a pas à chier. Si tu n'as pas une bonne alim, ça ne marche pas bien. Donc, le Raspberry, tu vois là, je le contrôle en fait par le Wi-Fi. Donc là, j'ai tout. Donc en fait, le Raspberry, tu l'achètes et après tu installes ce qu'on appelle une distribution Linux. Donc en fait, ça c'est le système d'exploitation. Donc tu connais Windows, et ben là c'est Linux. Et celui-ci s'appelle Raspbian. C'est optimisé pour le Raspberry parce que le Raspberry c'est pas comment dire, c'est pas puissant, mais c'est compact. Et ça devient de plus en plus puissant. Installer Raspbian, tu as tout ce qu'il faut sur Internet comme tuto, comme tout ce que tu veux pour installer Raspbian sur Raspberry Pi. Du coup, moi, j'ai installé le logiciel VNC. Bon, donc, on se retrouve dans le garage. Donc, j'ai mon Alim, le Raspberry, avec son écran. Je disais, j'ai téléchargé le logiciel VNC. Donc, c'est parti. On va brancher ça. Donc là, le Raspberry démarre direct et j'espère qu'il va pécho le Wi-Fi d'ici parce que, en fait, ça, VNC, ça me permet de contrôler le Raspberry avec écran, clavier, souris de mon ordinateur et ça, c'est trop bien parce que, bon, la résolution là-dessus, tu vois ma main à côté, c'est pas très facile. Bon, alors, ça dit quoi? Donc, moi, d'origine dans Raspbian, donc dans le système d'exploitation qui va avec. Il y a VNC, il faut juste l'activer dans les paramètres. Bon. Ensuite, donc si, alors attends, je vais te faire l'exemple. Il te faut ton adresse IP sur le Raspberry. Et pour choper notre adresse IP, on va taper. Donc, on va taper ifconfig et en fait, c'est attaché. Voilà. Et donc, ici, on a notre adresse IP. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre adresse IP, on va se retrouver dans le logiciel VNC sur l'ordinateur et on va faire nouvelle quoi d'ailleurs, que j'ai marqué, nouvelle connexion. Donc ici on va taper notre adresse IP qu'on vient de relever, donc c'était 192.168.1.105 si je ne m'abuse. Le nom c'est Pi, je vais pas te changer, en général les noms... Login mot de passe d'origine, c'est Pi et Raspberry. C'est login mot de passe. Donc là, on va se connecter. Il va sûrement nous demander les codes. Voilà. Donc les codes, moi, pour ma distribution, donc pour mon Raspberry, ils ont été configurés au début de l'installation. C'est Pi et Pi. Voilà. Ça, c'est mes mots de passe. Et donc là, bah voilà, je suis connecté au... Est-ce que je peux te montrer les deux en même temps? Si j'ouvre par exemple ça, tu vois que ça s'ouvre en bas en même temps. Donc là, j'ai vraiment la même chose sur mon ordi. En fait, par intermédiaire du Wi-Fi, mon ordi filme et il commande le Raspberry.
Voilà, donc c'est beaucoup plus facile pour exécuter les trucs. Donc sur le Raspberry, sur Linux en fait, c'est ça que les gens n'aiment pas, c'est que pour chaque commande, on doit passer par ce qu'on appelle le terminal, ce truc-là. Et en fait, avec ça, l'avantage, c'est que... Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut connaître les commandes Linux pour exécuter des choses. Et l'avantage, c'est qu'on a plein pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que autant sous Windows, des fois, il va te brider, autant sur Linux, si tu veux faire, bah, en passant par le terminal, eh bah, tu peux faire. Donc ça peut être dangereux parce que tu peux tellement faire que tu peux planter. Mais au moins, tu as plein pouvoir sur le système d'exploitation. Donc pour le moment, je vais le fermer. On va aller sur l'Internet et on va taper installer Tuner Studio sur Raspbian. Donc est-ce qu'on a des petites... Là, on a... Voilà. On a un site... ça doit être le forum qui nous dit, voilà, ici on a les commandes Linux pour installer le bordel. Donc, avant toute chose, quand on veut installer un truc sur le Raspberry, il faut taper sudo. En fait, sudo, ça veut dire, c'est comme quand tu fais un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'administrateur qui commande cette commande. Donc, on va aller copier. Donc, on met à jour un peu le système. Donc, on reprend le terminal. Je colle le bordel là-dedans. Et là, il télécharge la mise à jour du Raspbian. C'est ce qu'on voit là. Sudo apt update. Donc, il met à jour son système. Donc, je te coupe, je te reprends après. Après, on va rebooter. Installer snap install, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est ce qui fait marcher Tuner Studio. Donc, on va faire ces trois commandes-là quand ici, ça aura fini. Donc là, c'est à 47%. Je te reprends quand c'est fini. Bon, donc, il a fini. Donc, il a fait son update. Et maintenant que j'ai collé les deux, donc, il a commencé par faire son update. Et maintenant, il va faire son sudo apt install snap. C'est ce qu'il y a là. Donc, entrée. Il installe le bordel. Là, on met oui. Bien sûr qu'on est d'accord. Donc là, bah, ça télécharge le truc. Je te reprends après, comme d'habitude. Bon, ça y est, ça a terminé. Donc, on va aller faire un sudo reboot. Ce qui va nous redémarrer le Raspberry. Hop, collé. Donc là, ça va nous déconnecter de VNC. Se reconnecter quand lui il aura démarré sur VNC. Donc je vais relancer la machine, je vais attendre que lui il démarre, qu'il se connecte au wifi pour refaire comme tout à l'heure pour me connecter dessus. Voilà, donc lui il a démarré. Normalement il se connecte vite. Voilà, donc maintenant on va faire un sudo snap install core. Copier terminal, entrée, c'est parti. Donc là, ça télécharge et après ça installe. Je te passe les détails, je te reprends s'il y a une manip à faire. Bon, ça y est, ça a fini. Donc maintenant, on va faire le dernier. Error, merde. Bon, donc l'installation a un peu chié. Je sais pas pourquoi. J'ai vu après qu'en fait c'était pas une installation officielle. Donc j'ai un peu cherché de mon côté parce qu'on n'est plus le même jour du tout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repris à zéro. J'ai essayé d'installer. En fait, je crois que le problème, c'est que la distribution, donc le système d'exploitation qu'on a sur le Raspberry, ça s'appelle Raspbian. Bah, d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle Raspberry OS. Raspberry OS, Raspbian, c'est optimisé pour le Raspberry. C'est la distribution officielle, donc c'est le système d'exploitation officiel pour le Raspberry. Et il est en 32 bits. Seulement, depuis le nouveau Raspberry, là, donc celui-ci, c'est le modèle... 4, ils ont
ils sont passés en processeur ARM en 64 bits. Donc en fait, je crois que le problème que j'avais, c'était parce que mon système était en 32 bits, donc pour l'installateur, ça devait poser problème. Enfin bref, je n'ai pas cherché le souci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, donc là, ce n'est pas le cas, j'ai remis Raspbian. Mais dans les jours précédents, j'ai installé ce qu'on appelle Ubuntu. Donc c'est une autre distribution Linux qui n'est pas optimisée pour le Raspberry, mais qui s'installe dessus. Et vu que maintenant le Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 4, il a la patate, en fait il encaisse Ubuntu. Donc j'ai installé Ubuntu en 64 bits et j'ai installé Tuner Studio dessus. Et ça fonctionne. Donc, ce que j'aime pas trop de Ubuntu, c'est que... D'ailleurs, j'ai été étonnamment surpris de la rapidité à laquelle il fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il met 15 ans à se lancer. Mais ça, c'est parce que c'est vraiment un système d'exploitation à part entière qui est très performant. Donc, il met 15 ans à se lancer. Par contre, quand tu es dedans, c'est plutôt pas mal. J'ai été surpris du... Je pensais que ça allait ramer de ouf et tout. Non, en fait, c'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai quand même préféré revenir sur un Raspbian qui démarre beaucoup plus vite pour le Raspberry et qui est quand même fait pour ça. Donc je vais essayer de refaire la même manip que j'ai réussi, mais sur Raspbian, donc sur ce système d'exploitation-là. Donc là, tu vois que moi, là, en bas, c'est pas les icônes officielles et tout, c'est parce que j'ai modifié le thème, hein, mais c'est un Raspbian normal, Raspberry OS. Donc bah là, comme tout à l'heure, avant-hier, je me suis connecté à VNC. Donc tu vois, je contrôle mon Raspberry avec mon ordinateur. Tu vois la souris? Est-ce que tu vois la souris sur l'écran? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller télécharger. On va aller sur Internet avec un PC normal ou du Raspberry. Et on va mettre une heure. On va aller sur le site ici et on va aller dans download, et donc dans download on a la version Windows, la version Linux, la version Mac OS X et la version Linux. Il y a une version Android, mais je crois que c'est que pour faire du dodgeball. Donc on va aller piquer cette version là. Voilà, et on a une extension .tar.gz. Donc gz, c'est un format qui est compressé. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis sur ma clé USB. Je vais enfourner dans mon Raspberry. Voilà. Et donc maintenant, je vais te montrer comment on installe ça. Je vais faire exactement la même manip que j'avais fait pour Ubuntu, mais sur Raspbian, voir si ça fonctionne. Donc écoute, c'est parti, hein. Prépare ton terminal et on va taper de la commande Linux où tu vas rien comprendre, ou moi non plus. Bon allez, c'est parti alors. Donc ça y est, on est bien sur le bureau de mon Raspberry. On va aller dans... Alors oui, c'est un peu gros, mais c'est parce que l'écran il est tellement petit que si je ne mets pas en gros, on voit rien en fait. Donc là, je suis sur la clé USB. Oh putain, crack qui marche. Ça me ressemble tellement pas. Donc, Tuner Studio MS Linux, je crois que j'avais, voilà. Donc ça, je vais aller le copier dans mon Raspberry. Donc, pour le moment, je vais le mettre dans mon dossier document. Mais il est déjà dedans. Je vais te refaire la manip, comme ça on sera tranquille. Ici, je vais mettre la corbeille. Voilà, comme ça je vais te refaire la manip. C'est que je l'ai fait tellement de fois que je ne sais plus du tout où j'en suis. Pour te expliquer. Donc là, on a bien copié de la clé USB dans ma carte SD, en gros mon disque dur du Raspberry, dans mon dossier document. Et le fichier, il est là. Et c'est un fichier compressé. Ici, là, ça veut dire que c'est compressé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, déjà, je vais éjecter ma carte USB. Oui, ceci est une carte USB.
pour gagner un peu de ressources. Ouais, c'est ça la vie du Raspberry. Donc on va aller dans. Alors, je vais créer un dossier ici. Voilà, qu'on va appeler Tuner Studio, où on va installer le. On va décompresser le bordel. Tuner Studio, ok. Jusque-là, ça ressemble à Windows, rien de compliqué, tu vois. On a une archive, on a créé un dossier, voilà. Du coup, maintenant, on va passer par le terminal. Et là, c'est là que tu vas pas aimer le délire. Bon, alors, j'ai retrouvé. Comment j'avais fait pour l'installer? J'avais été sur ce site, installer un paquet tar.gz. Donc, en fait, on va faire exactement ce qu'il dit, parce que ça avait fonctionné avec ce truc-là. Donc, je peux mettre ça sur le côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, il nous dit décompresser. Après avoir téléchargé votre fichier, ouvrez la console sous root. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on a fait là, en tant qu'administrateur. Et déplacez votre fichier avec la commande move. Donc, MV. Alors, en fait, nous, il n'est pas là-dedans. Donc, là, on va revenir à la racine. Donc, on tape CD. Voilà. Donc, là, on est à la racine. Et lui, il nous dit de move. Alors le fichier, il est pas là-dedans. Le fichier, il est dans. Déjà, le fichier, il s'appelle Tuner Studio MS-du-bas V3.1.06. C'est ça qui est chiant sous Linux. .gz. Et donc, il est dans. Voilà, il nous met desktop, donc le bureau, mais en fait, nous, il n'est pas dans le bureau. Nous, il est dans. Il est dans quoi, nous? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il est dans Documents. Il est dans Documents. Il est dans Pi. Je crois qu'on peut faire un copier. Copier le chemin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc en fait, il est là. On va faire copier le chemin. On va revenir dans le terminal. On va effacer tout ça jusque-là. Et on va coller. Donc notre chemin c'est home utilisateur document home pi document le nom du fichier tuner studio machin point tar. Ça en gros c'est exécutable et le gz c'est l'archive, c'est une archive. On l'a mis deux fois. Attends. Ça c'est parce que je l'ai pas. Ça c'est bon. Vert. Alors du coup lui il nous dit move de. Il bouge ce fichier-là vers user local. Donc, user local, il manque un L. Je n'ai pas mis au bon endroit. Local. Impossible d'évaluer. Putain, mais j'ai fait de la merde. Bon, je recommence. C'était MV. J'ai dû me tromper dans le chemin d'accès. Et c'était move to. User slash local. Là, on doit pas être mal. Voilà. Non, il n'a pas aimé non plus. Bon. Ah oui, je sais. Je connais Linux et Jacques Adiani, en fait. C'est parce que j'ai pas écrit sudo ici. Sudo. Voilà. Et donc là, il a bien voulu. Donc sudo, comme je répète, ça veut dire en tant qu'admin. Donc si t'es pas admin, t'as pas le droit. Et donc, si tu es admin, tu as le droit. Donc là, on a bien bougé le fichier, comme il a dit, le monsieur, là. Et donc, on va aller dans le dossier qui dit, là. Donc, c'est dans le dossier. Copier. C'est dans le dossier qui nous a dit d'installer. Donc, on fait tout simplement un coller. Donc là, on voit bien qu'on est dans le dossier user local. Et donc, après, on va extraire l'archive. Et s'il y a, c'est que son nom de fichier, nous, c'est pas ça. Donc en fait, la commande qu'il y a là, juste devant, c'est pour extraire ce fichier-là. Nous, le nom de fichier, c'est ça. Point tar, point machin, il l'a déjà. Copier. Il veut un sudo ou pas, le gars? Non. Donc là, il extrait le fichier. Pourquoi il m'a fait une erreur? Il y a un truc qu'il n'a pas aimé. On va le refaire en sudo, on verra bien.
Ah, il n'y a pas d'erreur en sudo. Donc toujours mettre sudo. Donc là, à mon avis, il a extrait le Tuner Studio dans User Local. Alors attends. Donc ça, c'est la racine. Si je vais dans User et que je vais dans Local. Allez, ma gueule. Envoie. Est-ce que là, oui, on a notre archive, notre Tuner Studio. Et je sais que dans Tuner Studio, il y a un README qui dit que extraire l'archive, blablabla, et qu'il faut lancer le fichier. En fait, ça, c'est un script qui va lancer le logiciel. Donc, ça paraît compliqué pour le début, mais après, t'inquiète, ça va être facile. Donc, le script, il est là. Et donc, pareil, merde. Je vais faire copier le chemin. Et donc, alors là, si je. Donc là, je suis toujours. Alors attends, je ne suis pas dans le bon dossier LS. Donc là, on va aller dans le dossier, du coup, Tuner Studio. Il n'y aura plus tout ça à faire après, hein, t'inquiète. Tuner Studio MS. Voilà. Donc là, je suis dedans et là, je peux lui demander d'exécuter le fichier. Alors, du coup, on est déjà dedans, vu que ça a copié tout le chemin. Voilà. Donc là, je peux lui demander d'exécuter ça. Donc là, quand j'ai fait ça sous Ubuntu, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas JavaScript installé. Donc on va le tenter. Et si ça ne marche pas, eh ben, on va installer JavaScript. Donc c'est parti. Oh, introuvable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à la racine et je vais recoller mon chemin d'accès de tout à l'heure. Et là, voilà, il nous dit que il n'a pas Java. Donc, on va essayer d'installer JavaScript sur Raspbian. Et après ça, ça devrait fonctionner. Donc je regarde les commandes, voir ce qu'on peut faire. Bon alors, j'ai tapé tout simplement installer JavaScript sur Raspberry Pi et je suis tombé là-dessus. Donc on a des lignes de commande à mettre. Donc tout d'abord, on va mettre à jour le système, le sudo apt-update. Voilà. Donc là, il va se mettre à jour. Ensuite, il va me faire le sudo apt-install défaut JDK. Voilà. Et après, on va lui demander quelle version on a. Et après, on va lui mettre la version, je sais plus quoi. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Donc, ben, on va attendre que ça installe. Et puis, je te reprends après. Donc là, il a fini. Il a écrit tout seul 2 secondes. Donc, c'est parti, on le lance. J'espère que ça va fonctionner. Ça me ferait chier que ça marche que sur Ubuntu. Ça marche, hein, mais c'est lent de démarrer. C'est-à-dire que tant aussi. En fait, le but de ça, c'est de foutre ça dans la voiture et. Et que bah, quand tu mets le contact, ça ne met pas un quart d'heure à démarrer, tu vois. Ce serait sympa. Donc, bon, bah, dès que ça a fini, je te reprends. Hop. Je te reprends à chaque fois qu'il y a une modif. Donc là, on nous demande de dire oui, on veut tout installer. Tout installer. Donc là, ça télécharge et puis ça installe. Bon, ça se termine. Bon, bah voilà, ça a téléchargé, maintenant ça installe. Donc on va attendre le 100% et je te reprends. Tu sens que cet écran, il est fait pour être comme ça. Pas comme ça. En fait, c'est flagrant sur l'écran de téléphone, mais en vrai, c'est pas autant, mais ça le fait un peu. Tu vois le truc blanc là qui est pas très beau. Donc de toute façon, je me rends compte que ça, c'est un peu petit. Vous utilisez Tuner Studio. C'est un 3,5 pouces, ça. Je pense qu'il faudrait prendre la taille au-dessus quand même pour être bien. Mais ça peut être impeccable pour foutre dans un compteur. Hein? Petit prochain sujet de hacking. Un petit fus plus color Raspberry Pi, les gars. Bon, ça a fini. Donc on a fini ça. Donc maintenant, on va faire le Java version. Donc apparemment, c'est bon. Donc on va revenir sur notre. Donc là, je fais flèche du haut, là. Flèche du haut et je reviens sur les commandes qu'on a déjà tapées. Donc on va essayer de refaire celle-là.
Suspense. Mais c'est qui Fence? Alors? Alors les gars? Ça rame pas trop en plus, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Lance? C'est une belle machine. Alors, donc là, ce qui est cool, c'est que bah, ça fonctionne. Donc maintenant, on va essayer de brancher le Speedduino dessus. Je pense que cet épisode est déjà assez long. Je suis content parce que ça fonctionne, tu vois. Cet épisode a dû être un petit peu long parce que bah, je pars au feeling à chaque fois. Hein. Tu sais, je fais pas une fois où je note tout, où c'est sûr que ça marche. Je pars au feeling. Au feeling. Du coup, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je mets pas en ligne, tu vois. Donc, il y a plein de trucs en fait qui n'ont pas marché. Je parle pas forcément de ce projet-là en particulier, mais il y a plein de trucs que je teste, que tu vois traîner dans mon atelier, que je fais qui marche pas et que je mets pas en ligne parce que ça n'a pas marché. Mais quand ça fonctionne, je le mets en ligne. Donc, peut-être que la suite, ça va chier, ça va pas marcher et qu'il n'y aura pas de suite. Mais pour le moment, ça se déroule bien. Hein. Donc ça a fonctionné. On est dans la continuité du truc, tu vois. Je voulais faire péter un Raspberry avec Tuner Studio, ça marche. Maintenant, on va brancher le Speedduino sur le Tuner Studio, voir si le Raspberry, il encaisse le délire. Et s'il encaisse le délire, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir un bête de PC dans la bagnole pour gérer notre calculateur. Ce qui veut dire que... On pourrait éventuellement intégrer un écran de type autoradio, par exemple, et de brancher un vulgaire Raspberry dessus et d'avoir accès à notre calculateur Speedduino. Ce serait le feu. Donc ça marche, je suis content, c'est bien. Donc maintenant, alors juste, je vais te montrer que, en fait, maintenant, quand maintenant tu vas démarrer ton système d'exploitation. Alors, donc peut-être que plus tard, si je suis chaud, je te montrerai comment on fait un script, ça veut dire un petit fichier où quand on double-clique dessus, Tuner Studio se lance. Même le mieux, ce serait que, une fois que le Raspberry, parce que ce Raspberry-là, il va servir qu'à ça. Donc ça, en fait, ce que je pourrais faire, c'est que faire un script qui dit que quand le Raspberry a démarré, tu me lances la commande pour lancer Tuner Studio, ce qui fait que le Raspberry démarre et te lance Tuner Studio. Mais je n'ai pas trop étudié les scripts de boot, donc voilà. Donc pour le moment, bah écoute, pour lancer Tuner, alors tu fais tout ça. Ah oui, il y a ça aussi, du coup, je n'ai pas mis ça dans le bon dossier. Donc du coup, ça et ça, c'est plus là. Donc on peut le foutre à la corbeille. Voilà. Du coup, c'est bien comme lui, il avait mis dans, je ne sais plus, c'était user, c'était dans quoi déjà? Ouais, lui c'était dans User Local Tuner Studio MS. Voilà. Donc maintenant, donc c'est simple. Maintenant que ça c'est installé, pour lancer ton logiciel, tu vas dans le terminal. Voilà. Tu tapes la commande qui est enregistrée sur la flèche du haut parce que maintenant on l'a déjà écrit. Donc tu vas en fait lancer le fichier tunerstudio.sh. Et ça, c'est un script que Tuner Studio a fabriqué pour Linux pour qu'il se lance tout seul. En fait, il va lancer tout un tas de paramètres qui font que ça va exécuter le logiciel. Donc là, tu tapes ça parce que c'est là qu'on l'a installé avec ces mêmes noms de dossier-là et ce nom de fichier-là. Et quand tu fais entrer, bah, ça mouline, tu vois. Ça te dit all illégal, je sais pas quoi. Peut-être on fait une connerie. Et tu vois, ça te lance Tuner Studio et ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Peut-être que c'était le premier démarrage. Donc après, il y a une histoire, je crois qu'on peut le mettre en full, en plein écran. Mais c'est propre de ouf, ça rame pas. Je sais pas trop comment qu'on fait. Je ne sais pas comment on fait, je regarderai. Je sais qu'on peut mettre ça en plein écran, ce qui fait qu'on n'aura plus la barre des tâches en bas et on n'aura plus la barre en haut ici où il y a marqué le nom du logiciel. Parce que là, c'est une vulgaire fenêtre en fait. Tu vois. Donc, je crois qu'il y a moyen de virer tout ça.
Et il y en a qui utilisent ça pour avoir un dashboard. Donc en fait, ils ont un. Sans parler de Tuner Studio pour la partie cartographie, ils utilisent ça pour avoir leur. Pour loguer leurs valeurs, pour avoir l'affichage du. Je sais pas, ils peuvent afficher leur jauge d'AFR, leur jauge de tours par minute, leur température ici. En fait, ils ont un petit écran comme ça qui cale dans la bagnole quelque part. Et t'as tout qui s'affiche. Donc ça marche, c'est cool. Il n'y a plus que faut que j'étudie un peu pour installer le Speedduino là-dessus. Mais bon, maintenant que ça s'est ouvert, ça me fait plus trop peur. On est sur la bonne voie. Et puis, bah, la suite au prochain épisode. N'oublie pas que ce sont des épisodes qui se suivent et que pour le moment, bah, tout va bien, ma gueule. Allez, ciao, bimbo.